revenir avec la victoire, parce que je pense que le dernier match, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. Et après, on a prouvé aujourd'hui qu'on était une grande équipe. On a mis 3 buts très rapidement. Après, en deuxième mi-temps, on a essayé de gérer. On a un peu moins bien fait, mais bon, je pense que c'est important d'avoir un certain côté ce soir. Et montrer aux joueurs, aux nouveaux joueurs, que quel esprit doit avoir pour gagner le match. Qu'est-ce que cette espèce d'origine? Vous savez, ça arrive. On a fait 4 jours, on a beaucoup travaillé physiquement. Et après, je pense que la coupure nous a un peu mis en bien, mais bon, après, on est resté de revenir sur nos fondamentaux. On était un peu en difficulté aussi parce que nous avons fait que la journée, très forte, qui a fait 3-3 quand même contre l'Algérie. Donc, c'est une équipe qui a des qualités et nous, on a essayé de mettre des qualités au sein du collectif. Et aujourd'hui, on a gagné 3-1, c'est tout important. Alors, mardi prochain, contre l'équipe du Cap-Vert, comment faudrait-il, à votre avis, avoir ce match, sachant que ça se joue en temps record quand même, entre 2 jours de record maximum? On continue, vous savez, on est quand même 26 joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont là et qui sont prêts, et on ramène la fraîcheur. Donc, on doit faire ses choix, mais je pense qu'il faut avoir le même état d'esprit qu'on a eu en première mi-temps, c'est-à-dire conquérant, aller de l'avant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Sénégal comme ça, je pense que le Sénégal est content ce soir. Alors, Kalidou va quitter le Napoli? Ça, c'est une autre question. C'est la première fois que vous avez joué avec Abdou Diallo dans l'axe. Comment vous êtes senti arrivé? Abdou est un grand joueur, vous savez, il joue dans un grand club au Paris Saint-Germain. C'était à lui de s'acclimater au football africain, c'est un autre football. Donc, on a vu aujourd'hui que tu peux même gagner 3-0, mais c'est toujours en danger. Donc voilà, c'était l'esprit, on voulait lui inculquer l'esprit africain. Aujourd'hui, il a fait un très bon match, je pense. Il a tout mis au sein du collectif, il a donné ses qualités et ça fait plaisir. Je pense qu'Abdou va avoir un grand futur avec nous, Inch'Allah. Voilà, il va aller nous aider à gagner cette coupe qu'on attend depuis longtemps et je pense que même Chérou est là derrière nous à nous pousser et ça nous pousse à donner plus de qualité, plus de choses à notre pays et voilà, je pense que c'est quelque chose de positif. Merci. Merci.